Ouais, je bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va. Merci de demander. Comme vous pouvez le constater, Cristiano Ronaldo vient d'être élu meilleur buteur de la Coupe d'Arabe et il est champion de la Coupe d'Arabe. Tout le monde n'a que lui à la bouche. Mais mesdames et messieurs, tout cela est grâce à qui? Bien sûr, à Sadio Mané. Sadio Mané est arrivé, hein, dans le club de Cristiano Ronaldo et a apporté toute sa vista, toute sa chance. Vous n'avez pas vu comment Liverpool est tombé après son départ? Vous ne voyez pas comment le Bayern continue de sombrer après son départ? Et voilà maintenant qu'il arrive à Al Nassr. Et là, les trophées commencent à tomber. Mais je ne sais pas quelle chance il a, quel jus il boit. Oh là, mais en tout cas, sa potion a l'air de fonctionner de manière limpide, fracassante et d'une efficacité à toute épreuve. Vous vous rendez compte? Il est arrivé il n'y a même pas 6 mois. On lui offre déjà un trophée. Oh là là, Sadio Mané. Mais oui, tu dois avoir tout le crédit. C'est toi qui ravive la flamme des fans envers Cristiano Ronaldo. Il faut lui donner son crédit. Mais bien sûr, vous n'avez pas vu lorsqu'il est dans le terrain comment le jeu va beaucoup plus vite à Al Nassr. On se dit, mais attends là, oh là là, attention. Les clubs d'Arabie Saoudite, là, ils peuvent frapper certains clubs d'Europe, hein. Oh là là, mais oui! Vous pensiez quoi? Cristiano Ronaldo tout seul là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas entendu Cristiano Ronaldo, meilleur buteur? Là, au plus haut de son âge, Sadio Mané a réussi à le rendre jeune. Il lui donne des trophées, il lui fait des câlins et Cristiano Ronaldo, il pleure dans les bras de Sadio Mané. Eh oui! On a une chose à dire. Sadio Mané a un fils et c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo est devenu le fiston de Sadio Mané, que vous le vouliez ou non. C'est votre problème. C'est votre problème. Hein? Sadio Mané est arrivé à Al Nassr. Cristiano Ronaldo se met à marquer. Cristiano Ronaldo commence à refaire son su. Mais si Sadio Mané n'est pas là, Cristiano Ronaldo, il va faire non! Non! Non, c'est tout. Il faut rendre ce qui est à César. Hein? Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? César, je te parle pas c'est une métaphore, hein. Commence pas à me dire, ouais, faut dire, ah là là, toi aussi, tu connais César. Non! Quand je dis qu'il faut rendre ce qui appartient à César, il faut rendre ce qui appartient à Sadio Mané. C'est-à-dire le crédit de la meilleure recrue avec lui, Seko Fofana. Vous comprenez? Hein? Parce que là, ouais, Cristiano Ronaldo, regardez, il a marqué. Mais le match, comment il s'est passé? Hein? Comment s'est passé le match? Comment s'est déroulé? Comment s'est déroulé toutes les actions? Hein? On nous parle d'une connexion Sadio Mané-Cristiano Ronaldo. Mais cette connexion est obligatoire. Si Cristiano Ronaldo n'avait pas Sadio Mané ni Seko Fofana, il allait se connecter avec qui? Hein? Il allait avoir erreur 404. Pas de connexion, pas d'internet, pas de fibre, rien du tout. Donc, mesdames et messieurs, vous pouvez être contents pour Cristiano Ronaldo, mais n'oubliez pas de mentionner Sadio Mané. Vous comprenez? Voilà.